Les défis PCR. One more time. Mais là, je dois faire mal quand même, hein. Il y en a qui sont à la rupture, hein, je pense. Bah, Chagan, notamment, là, il a que 71 mots, hein. Il va bientôt lâcher. Et Horner, alors fossile, là. Ah, ça y est, ça lâche. Eh non, 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 en fait. En même temps, là, pour les faire lâcher, maintenant, eux, c'est dur. Voilà, deux lâchés de plus. Mais pour les faire lâcher, c'est dur parce que ça commence à être les leaders, quoi, donc. Mais bon, on finit toujours par y arriver. Alors là, ça c'est trop bien, c'est des équipiers de Comptador qui lâchent. Donc ça m'arrange beaucoup. Et pas un Astana lâché encore. Le premier, ce sera Jufrey, sans doute. Sans doute, sans doute. Eddie Gregorio, il est toujours là. Pas de soucis, hein, franchement, il est pas mal. En plus, il doit avoir un petit bonus nationalité, 76 mots, ça doit lui faire à peu près. C'est sympa. À moins que ce soit un mythe, hein, encore une fois. À prendre avec des pinces. Ah, ça y est, Jufrey est lâché. Donc voilà, on a des lâchés en plus, on n'est plus que 37. Ah, et ceux qui roulent viennent de décéder, donc. On va les laisser sombrer dans les tréfonds de l'enfer. Et voilà, donc Di Gregorio est là. Et pour l'instant, faudrait qu'il finisse de tenir le col. Mais après, dans la descente, il se refera de toute façon. C'est tranquille. Voilà, donc là, il y a plein de gens qui vont lâcher, hein, sans doute. Voilà. Ce qui fait que devant, on va plus être beaucoup. 21, voilà. Que ça renoue de temps en temps, donc 29. Ouf, Di Gregorio, il a mal, là. Ouais. Je sais pas s'il roule ou pas devant. On n'est plus que 20, et Di Gregorio est encore là, donc bon, ça présage quand même de bonnes choses. Même s'il est un peu fatigué. Même Kreuziger et Vino, ils sont fatigués aussi, donc. Tant qu'il s'accroche et qu'il passe avec le groupe 1, le groupe leader en tête du sommet, et ben normalement ça devrait pouvoir le faire. Sans qu'il ait trop de retard à rattraper dans la descente. Par exemple, c'est possible qu'il soit lâché maintenant, là, il reviendra, donc ça devrait pouvoir. Ça devrait pouvoir aller. Voilà, là, donc là, on arrive au sommet. Eddie Gregorio fait partie des 19 favoris du jour. C'est déjà pas mal. Je vais mettre Vino en protection maintenant, parce que il va lui falloir quelqu'un de solide. De fort solide. Donc là, c'est bien cette descente, parce que je vais avoir l'occasion de régénérer les barres rouges et tout ça, alors que Wiggins est mauvais aujourd'hui. Alors l'occasion de refaire les barres rouges, jaunes, c'est bien, c'est bien, c'est pratique. Tout ça, c'est pratique. Alors je sais pas, j'avais dit que j'attaquerais dans la descente. Est-ce que c'est bien raisonnable de le faire en sachant que j'ai, ah, oui, enfin si, j'ai de la barre rouge, mais la tactique la meilleure serait-elle de partir en effort curseur? Je sais pas, je sais pas. Nous verrons bien. En attendant, il y en a qui réclament de l'eau. On va demander à Kizerlowski ici. Mascarelli là. Et Jufrey Pou. Bon, j'aurais pas eu le temps d'attaquer dans la descente, de toute façon. Mais là, franchement, le curseur n'est pas exclu. En sachant que là, c'est lui qui a le plus de barres jaunes, dit Gregorio, dans l'affaire. Donc finalement,
Je pensais qu'il serait plus faible que ça. Il tient longtemps. Hein. Je sais pas s'il y en a des aussi faibles que lui dans le groupe. Il y a le Mevel, ouais, mais il est plus fort, quoi. Mais j'ai la sensation que c'est la surprise, quoi. J'ai cette sensation-là. Donc là, je vais. Oula. Avant que on me mette en déroute. Et maintenant, il est temps de croiser les doigts quant à cette tactique. Hein. Il est temps de voir si j'aurai la même réussite qu'avec Sastre. Hein. J'espère, hein. Franchement, ce serait cool. Vas-y. Rémy Di Gregorio fait son show. Ouais, bah en l'occurrence, il fait plutôt sa descente aux enfers. Donc, c'est assez problématique. Je vais devoir augmenter le curseur, là, sinon ils vont lâcher les deux. C'est quoi cette arnaque? Non mais, c'est quoi cette arnaque? Non mais sérieux. Bon, je vais devoir attaquer. Pour rejoindre le groupe, voilà, de la barre rouge perdue, bravo. Et pourquoi? Non mais, c'est n'importe quoi. Je veux dire, il se met en effort curseur, il se passe rien. Voilà, à part le fait qu'il lâche. Non mais pourquoi? Sérieusement? Bon ben voilà, c'est la fin. Hein, je sais pas pourquoi. C'est n'importe quoi ça. Bon alors. Non mais je suis outré là. Pourquoi quand il se met en effort curseur, il recule lui? Ah lui c'est bien français, tiens. Quel sous-bouse, oh là là. Mais il roule toker, bon ben voilà. Je veux dire, il n'y a pas de secret là. Parce que j'en ai un qui est capable de faire un truc. Lui aussi, quand il se met en effort curseur, ça fait rien. C'est bizarre, ça. J'aurais franchement dû attaquer dans la descente, quoi. Ah bah si, lui, quand il se met en effort curseur, il remonte. Voilà. Bon, et eh ben. C'est bizarre, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ça a pas marché. Di Gregorio était censé pouvoir, mais non. Bah tant pis. Hein. Tant pis. Je vais quand même essayer de gagner avec Kreuziger. Bon, c'est moins. C'est pas un exploit, mais bon. Voilà, bah lui il part tout seul maintenant, voilà. C'est quoi ce jeu, sérieusement? C'est quoi ce jeu, quoi? Bon, en attendant, Kreuziger, c'est l'enfant qui doit attaquer. Ouais, bah il a bidé, lui aussi. Il a bidé lui aussi. Il va se faire avaler au sprint. Il n'y a pas de lézard. Alors moi je comprends pas pourquoi je recule toujours en sprint en montagne alors que les autres ont une pointe de vitesse formidable aussi. Là, faut qu'on m'explique. Hein. Voilà. Bon, troisième avec Kreuziger et on va dire. Top 20 avec Di Gregorio, j'ai un peu les boules quoi. J'ai les boules, oui voilà. Je pensais faire largement mieux, mais bon. Le jeu en a décidé autrement. Hein, Cyanide, c'est une belle équipe d'enfoirés. Hein, je le cache pas. Hein, et c'est franchement dommage que quand je fais fort curseur avec un, ça marche et pas avec l'autre, alors qu'ils ont la même barre rouge. Mais bon. Mais bon, on ne perce pas comme ça les secrets d'un monde de développeurs de piètre qualité, voilà. Voilà.
On finissait d'arriver, bande de tocards, parce que moi il faut que je vois à quelle place j'ai fini avec Rémy Di Gregorio. Je suis vénère. Il y a de la fumée qui sort des oreilles. Je n'ai fait que... En plus, j'aurais pu me rattraper en gagnant l'étape avec Kreuziger, mais non, parce que Contador, c'est bien connu, est un sprinter des montagnes, oui. Alors, donc, troisième avec Kreuziger. Bon, 18e avec Di Gregorio. Bon, d'un côté, je suis déçu parce que ma tactique n'a pas marché. Mais d'un côté, je suis satisfait parce que j'ai que 74 montagnes et j'arrive avec des 77, 78, 81. Non, mais en fait, ils n'arrivent pas avec moi, voilà. Mais j'arrive devant des 77. Ce qui me satisfait, hein, regardez devant qui je suis, hein, Van Van de Velde, bon, faites abstinence de Perrault, faites abstinence, bon, faites abstinence de tout le monde, je suis arrivé avec ceux avec qui je devais arriver, je suis extrêmement mauvais, et je vous dis, ciao!